So this is just quotes about orphan crops. I mean, this is the, I say this with care, but I'm sure those in ECRISAT will also agree that while the Green Revolution was great for rice, wheat, and maize, it wasn't for millets. Millets are the orphan crop, and we need to consider this. And so our focus. Les premières plantes sur lesquelles j'ai travaillé sont les plantes médicinales de la famille des apocynacées. Ensuite, les plantes de la famille du mil, avec le complexe d'espèces sauvages du genre Penicetum. Il y avait la zone sahélienne et la zone soudanienne. Au Niger, la zone sahélienne s'était représentée par Maradi et la zone soudanienne par Beru, donc Gaya. Au Sénégal, il y avait Nioro pour le Soudan et Bombay pour le Sahel. And the people in Maradi, those regions, they are harvesting two crops out of this in one year. Du coup, la question de la date du début des saisons, c'est un problème. On la diffuse, les gens n'acceptent pas. Il faut quand même comprendre, et c'est là où on est parti vers eux pour dire qu'est-ce qu'il y a concrètement. Quel que soit ce que nous allons faire ici, quels que soient ceux et ceux qui vont faire à la rive gauche, si on ne conjugue pas nos efforts, ça n'ira nulle part. Moi, je vais utiliser ça pour être professeur titulaire et puis faire le fanfaron. Et ils vont donner les chiffres pour dire qu'ils ont injecté, ils ont injecté, ils ont injecté, mais on n'aura jamais de résultats. Je suis d'accord, il y a des groupements de femmes qui font des petites choses, mais je crois que pour que ça soit consommé, que ça soit dans les magasins, et trouver des plats faciles à cuisiner comme les autres produits. C'est à eux. Nous, on ne fait que faire de la recherche. Normalement, c'est les dispositifs politiques. Et à la conclusion, c'est ça que j'ai dit. Il faut une liaison entre les producteurs, les scientifiques, les techniciens. Les aspects autour du mail ont été abordés et ça nous a permis de voir entre nous qui fait quoi, qui a quel donné, et je pense que ça nous permettra dans le futur de mieux travailler ensemble, de mieux coordonner nos efforts. En tout cas, c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose ce colloque. Je pense que c'est un point de départ et ça continuera avec les, comment on appelle ça, les festivals. Voilà. L'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un être humain, surtout des jeunes comme nous qui veulent apprendre, se construire, c'est le temps et le partage de ces connaissances. C'est ce que vous avez eu à faire avec nous. Merci beaucoup. Thank you so much for being here.